sur Radio Scarpe Sensée 94.10. Mercredi 13 mars, les syndicalistes de l'usine Stora Enso, papeterie à Corbehem, réunis en intersyndicale, ont manifesté pour exprimer leur inquiétude depuis que le groupe a annoncé en octobre 2012 le lancement d'une étude préalable à la revente de son site de production. Pour rappel, en 2005-2006, Stora Enso a déjà fermé deux lignes de production, les machines 3 et 4, pour ne laisser en fonction que la machine 5 qui, aujourd'hui, fait travailler 350 salariés. La manifestation de ce mercredi 13 février a reçu le soutien de nombreux élus du territoire, des élus inquiets par le mutisme du groupe Stora et par le mutisme de la direction locale. Parmi ces élus, Martial Ostienne, conseiller général du canton de Vitry, et Charles Beauchamp, conseiller général du canton d'Arleux. Martial Ostienne, Charles Beauchamp, aujourd'hui devant l'usine Stora Enso, bis repetita. Oui, c'est la suite de 2005-2006, quoi. Donc, on a pris la 3 à la 4. En fait, contre Charles et moi, on avait raison. Quand on a dit à l'époque que c'était les préliminaires de la fermeture du site de Corbehem, un site qui va bientôt avoir 100 ans. Et c'est quand même dommage d'en arriver là. Et puis, Stora Enso qui refuse de jouer le jeu. Au niveau de la France, qui veut fermer son entreprise, qui est productive, sous un prétexte qu'il y aurait trop de papier en Europe. Et pourquoi fermer l'usine de Corbehem et pourquoi pas fermer une machine en Suède ou en Finlande ou en Allemagne et pourquoi la France? Nous on dit c'est exagéré, trop c'est trop. Et il faut arrêter et il faut que notre gouvernement mette les pieds dans le plat. On nous a dit il y a un an, changement c'est maintenant, nous on dit maintenant il faut que ça change. Il faut arrêter de faire des cadeaux aux patrons français, aux patrons européens. Il faut qu'on mette les patrons devant le fait accompli et dire arrêtez, on arrête les fermetures d'entreprises qui font des bénéfices. C'est terminé ça. Les deux localisations, c'est terminé. C'est ça le changement. Le changement, c'est pas à soupoudrin. Le changement, c'est pas dans 4 ans. Le changement, c'est aujourd'hui. Ça fait un an déjà qu'ils sont là. Mais Stora, actuellement, dit on n'est pas en train de fermer l'usine, on est en train de voir si on peut vendre la machine. C'est quoi la différence? C'est la même chose. Pour nous, c'est la même chose. Pourquoi ils veulent vendre? Ils veulent vendre, c'est parce qu'ils veulent se débarrasser de cette entreprise. Elle est gênante pour eux. Alors, elle va être intéressante pour quelqu'un d'autre. Et si elle est vendue, cette machine? Elle restera pas là, hein. Certainement pas. Puisqu'on dit qu'il y a trop de papier en Europe, elle va partir en Asie, elle va partir en Russie, elle va partir au Canada, mais elle restera pas là. Alors nous, on veut pas ça. Nous, on veut que cette machine, elle est boulonnée. Elle est boulonnée sur notre territoire, elle doit rester sur notre territoire, et elle doit produire. Il faut produire français à un moment donné. Il faut arrêter d'être redevable de tout ce que les autres y font. Et nous, on n'a plus rien. On fait plus rien. On n'a plus d'usine. On ne produit plus. On fait plus de plus-value. On va plus qu'avoir des administratifs. C'est pas que ça qu'on va faire des richesses, que la France, elle va se relever. Hein. Pas du tout. Charles Beauchamp, vous étiez déjà là, vous aussi, en 2005, mobilisé autour des salariés. Est-ce que depuis, vous avez eu des contacts avec la direction de l'usine, et même récemment? Aucun contact avec la direction de l'usine. Le patronat de Stora Enso est fidèle à lui-même. Ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les contacts avec le territoire, c'est l'exploitation des salariés et le profit maximum au bout du compte. Le territoire, c'est pas sa préoccupation au patronat de Stora Enso. Il l'a montré il y a quelques années, en 2006-2007. Il le montre encore aujourd'hui. À l'époque, déjà, les salariés avaient imaginé des solutions alternatives de reprise des machines 3 et 4, avec peut-être, pourquoi pas, intégrer la 5 dedans. Le groupe s'était opposé. Aujourd'hui, on entend quand même de plus en plus des salariés qui souhaitent prendre en main la destinée de leur site de production. Vous y croyez, sur des alternatives fiables? Bien sûr qu'on peut croire à ce genre d'alternative, à la condition que parallèlement la lutte soit menée, qu'on ne confronte pas les deux. Le travail pour une recherche de solutions alternatives, première chose. Deuxième chose, la lutte doit être menée pour forcer le patronat à prendre ses responsabilités. Je pense qu'il y a, lors du dernier conflit, il y a eu un mélange des genres qui a conduit justement
a fait en sorte que, eh bien, la lutte a été étouffée parce que on a mis en avant la solution alternative. Le patronat s'est engagé dans cette brèche pour étouffer, je pense, la lutte, alors qu'il y avait la possibilité à la fois de mener la solution alternative et de travailler aussi à développer une lutte dans une convergence de lutte. Parce que je me souviens qu'à l'époque, on disait, ce sont non pas Stora Enso concernés, mais 120 entreprises, compte tenu des emplois qui sont induits, qui concernaient 1500 salariés au total. L'impact de Stora Enso sur le territoire. Je pense que si on avait eu une convergence de lutte avec les salariés, avec les territoires, les élus, la population, le rapport de force aurait été différent et on aurait pu engager autre chose que ce qu'on a engagé à cette époque-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut attendre une aide raisonnable de l'État, une intervention de l'État? Il y a un ministère qui est en charge de la productivité, de la relance économique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce ministère? C'est son devoir. C'est pas qu'on doit attendre, c'est leur devoir d'intervenir. C'est leur devoir de prendre des mesures pour que cette machine, elle reste sur notre territoire et qu'on continue à produire du papier en France. Parce que ça commence à devenir insupportable de toujours. On peut pas ouvrir une télévision ou ouvrir un journal sans qu'on entende dire fermeture d'entreprise, délocalisation, suppression de personnel. Alors maintenant, on fait des plans avec des patrons pour accélérer les cadences, pour ne plus l'embaucher et pour produire plus. On n'augmente plus de salaire et on n'augmente pas les salaires. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça le changement. Hein. C'est pas ça que les gens ils ont voté en 2011. Hein. Il ne faut pas attendre 2016 pour le changement. Parce que là ils vont être virés. Et puis ben, les autres ils vont continuer la politique qu'ils avaient avant, c'est-à-dire la même. Enfin, quand il n'y a pas de changement. Alors nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut le changement, le vrai changement. Martial Ostienne, conseiller général du canton de Vitry. Et puis parmi les élus qui ont bravé le front ce mercredi 13 mars 2013, Pierre Georget, président de la communauté de communes aux Artistes. Ben oui, on fait face à l'événement dans les deux sens, à la météo, mais enfin la météo on s'en accapare et on s'en arrange surtout, quoi. Mais c'est surtout de montrer notre entier soutien auprès des salariés de Stora Enso, parce que le silence qui s'opère autour de la procédure ou la stratégie de revente du site, nous n'obtenons aucun élément malgré notre intervention de ce dernier lundi, donc nous sommes très inquiets à la fois pour ce site. Même si on se bat sur ce territoire pour l'implantation des entreprises, on veut aussi beaucoup se battre, et surtout se battre, pour maintenir les entreprises existantes. Donc c'est la raison ici de la mobilisation des élus, des artistes et même au-delà. La possibilité d'un acquéreur pour cette machine, vous y croyez, est prêt à la laisser sur le territoire? Moi, je suis très dubitatif. S'il nous disait que la machine reste sur le territoire, d'abord, ce serait une bonne nouvelle pour les salariés, ce serait une bonne nouvelle pour l'économie territoriale, mais je ne vous cache pas mon pessimisme par rapport à l'avenir du site. Néanmoins, bon, ben, s'il y a un espace encore dans lequel on doit se battre, eh bien, on est là au rendez-vous. Aujourd'hui, le sens de cette mobilisation, c'est quoi? Les élus à côté des organisations syndicales, pourquoi? Ben d'abord, je crois qu'il faut mettre l'accent aujourd'hui sur l'unité syndicale, ce qui est important, c'est ce qui fera la force, la confiance partagée avec les élus du territoire, et là où le bureau d'études, NEDIA, qui est en train, soi-disant, de caler les choses pour pouvoir imaginer un repreneur, ça montrerait qu'on est mobilisé, qu'on est vigilant, parce que c'est pas par ce silence et cette dose homéopathique qu'ils sont en train de nous mettre, en disant qu'ils vont peut-être se fatiguer et attendre, montrer qu'on est bien mobilisé et qu'on est prêt, une fois de plus, comme un chiffre 3-4, à ne pas se laisser faire. Ce cabinet qui est actuellement en train de mener une étude, vous a contacté, vous? Il a pris lien avec les décideurs du territoire pour connaître et mesurer l'impact, l'importance de la machine et puis le tissu économique environnant? Alors c'est ce qui nous surprend parce que nous on avait demandé à éventuellement le rencontrer parce que c'est vrai que je rappelle que la compétence économique est une compétence obligatoire, notamment au titre de l'intercommunalité. Et on est en train d'imaginer le territoire, on est en train peut-être de supposer le territoire ou son devenir sans alerter les élus qui sont quand même, je dirais, c'est pas du voyeurisme économique de notre part, c'est un partenariat économique et là où on a été partenaire, on a montré qu'on savait faire.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, concrètement? Que Storac communique, que la décision soit connue? Parce qu'il y a également des salariés qui sont inquiets depuis quelques mois. On a l'impression qu'on remonte la même stratégie, on va jouer encore une fois avec les nerfs des ouvriers. Non, ben on est montré qu'on est mobilisé, qu'on n'est pas, je dirais, indifférent à la situation, bien là, et que aussi bien les élus que les salariés sont très lucides de la situation et que nous resterons vigilants pour qu'on puisse donner des éléments. J'espère au moins cette manifestation montrera la direction que nous sommes bien là. Pierre Georget, président de la communauté de communes aux artistes, des élus inquiets, tout comme les salariés et leurs représentants. Julien est élu CFDT au CE de l'entreprise Storenzo Corbehem. On attend, on n'a pas de réponse, c'est flou complet, voilà. C'est-à-dire que dans l'usine, aucune information ne circule actuellement de la part de la direction? Non, aucune. Le climat, l'ambiance, la machine, elle tourne? Oui, elle tourne. Tant bien que mal, tant qu'on a des commandes, on tourne, mais sinon, on attend. Aujourd'hui, la manifestation, elle est très structurée. On a les syndicats qui, chacun, ont mis leur couleur. Oui. C'est quoi? C'est pour annoncer une différence ou une unité? Non, c'est une unité. Hein. Une unité. On voulait le faire sans mettre de couleur, mais là, on le fait, c'est une unité, quoi. C'est une intersyndicale, là. Le message à faire passer aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'inquiétude, quoi. Sans nouvelles, on est dans l'inquiétude, on sait pas... Qu'est-ce qui sera fait demain, qu'est-ce qui sera fait? Donc c'est l'inquiétude complète. Là, il a fait une annonce vite fait dans une réunion de production, comme quoi il y aurait des repreneurs potentiels. Donc l'étude, elle continue. Et on n'en sait pas de plus. Vous avez déjà changé combien de fois de patron, vous, depuis le temps que vous travaillez ici? Bon, ici, il y a eu Béguin, Felmul, Storenzo, Papeterie Bégacé, enfin, on fait que ça. À chaque fois, ça s'accompagne de licenciement, généralement, quand on change de patron? Non, ça a changé de nom, puis c'est tout, on a gardé le même personnel avec les mêmes... Non, il n'y avait rien de changé pour ça. Là, c'est autre chose, C'est-à-dire? On ne sait pas où on va. S'il y a un repreneur, on ne sait pas si on va tourner comme on est actuellement, en faisant le même papier, le même nombre de personnel, on ne sait pas. La machine, elle est capable de faire autre chose que ce qu'elle produit aujourd'hui? Elle peut faire autre chose, elle peut. S'il y a des investissements, mais... comme le marché est bouché dans n'importe quelle qualité de papier ou bien de carton, c'est le fou complet. Hein. C'est le deuxième groupe producteur mondial de papier, Storenzo? Oui. Qui peut racheter une telle machine le premier, c'est tout? Qu'un groupe papier, hein, un groupe. Si ça va mal pour tout le monde, je vois pas un repreneur reprendre l'usine telle qu'elle est. Hein. Combien de salariés aujourd'hui sur la machine? 350. 350 sur machine, après il y a tous les intermédiaires. Julien, élu CFDT au CE Storenzo Corbehem. En octobre 2012, lorsque la direction de Storenzo a annoncé le lancement de l'étude en vue d'une éventuelle cession du site de production de Corbehem, les représentants des salariés ont souhaité être associés à cette étude. Que s'est-il passé depuis? Christophe Sauvage, secrétaire du CE. On nous a certifié que les IRP participeraient à ce projet. À l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas convaincu que justement on va y participer, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas été entendu du tout par le cabinet chargé de faire l'évaluation de la machine et de sa vente possible? Alors, on a été entendu par le cabinet. Justement, le cabinet, il y a eu une présentation de fait en fin d'année dernière. Et... donc, il nous a expliqué un petit peu leur mission. Et donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, nous, on aimerait, les IRP aimeraient être un peu plus impliqués dans le processus, quoi, en fait. Alors, leur mission, elle consiste en quoi? Alors, leur mission cherche à trouver d'éventuels repreneurs. Pour pouvoir justement racheter le site et pourquoi pas investir. Actuellement, elle tourne, la machine? Alors là, elle est arrêtée pour 48 heures pour un petit problème technique, mais elle devrait remettre en route demain, logiquement. Et la production a toujours lieu, le planning est respecté, les commandes sont là? Non, il y a un léger manque de commandes, c'est moins qu'on puisse dire. En moyenne, on arrête... par mois, à peu près entre 8 et 10 jours d'arrêt. C'est-à-dire que ces commandes, elles partent vers d'autres unités de production du groupe Storenzo?
Oui, je pense, oui. C'est sûr que... Bon, les autres unités, c'est pareil, elles arrêtent... bon, il y a un petit peu moins de jours d'arrêt sur l'année que nous, mais bon, en moyenne, elles arrêtent aussi, quoi, au moins 5-6 jours par mois, quoi. Est-ce que ça revient plus cher pour le groupe de fabriquer du papier à Corbeil que de le fabriquer ailleurs? C'est pas tout à fait... je dirais pas ça, c'est plutôt... que le coût de comment dirais-je le coût de en fait Corbehem dégage moins de cash voilà que les usines sœurs comme Cabel Orme Cabel dégage beaucoup plus de cash voilà quoi le prix de vente n'est pas le même quoi. Et comment ça se fait ça? Ah ben ça c'est le marché qui veut ça hein. Nous, le prix de vente en Allemagne n'est pas le même que le prix de vente en France, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi le message que vous souhaitez faire passer? On espère qu'il y aura un repreneur, déjà. On souhaite sauver tous les emplois. Donc, on compte sur les élus locaux, sur la direction... Bien évidemment, la direction locale. Et voilà, on espère sauver l'entreprise. Mais le groupe Stora a dit, on regarde si on peut revendre la machine, ce qui ne veut pas dire qu'on veut s'en séparer. Vous n'y croyez pas à ça? C'est comme si vous allez vendre une voiture, vous allez dire, tiens, je vais voir un petit peu, je vais la mettre dans le bon coin, je vais voir si j'ai des touches, bon, peut-être je déciderai de la vendre, ou si j'ai pas de touches, je la garde, quoi. Bon, enfin, je sais pas, j'y crois pas trop. Pourquoi pas mais apparemment, le groupe est vraiment décidé à vendre Corbehem, quoi. Donc, apparemment, le groupe ne mettra aucune barrière sur la cession. Christophe Sauvage, secrétaire du CE Storenzo Corbehem, lors de cette manifestation, mercredi 13 mars 2013, sur la route nationale 50, où les manifestants ont distribué des tracts aux automobilistes qui empruntaient cet axe. Et c'est là que j'ai rencontré Arnold Normand, maire de Reux, élu communautaire. La présence aujourd'hui du maire de Reux, c'est quoi? C'est le soutien uniquement aux salariés ou ça va bien au-delà? Oh, ça va certainement très au-delà. Hein. En plus, je suis corbeillois de naissance. J'ai vu depuis 20 ans, plus que ça, la désindustrialisation complète de cette commune de Corbeil. C'est très grave. Alors, quand je dis c'est très grave, c'est parce que économiquement, on fait la preuve que quand on n'a pas le pouvoir économique, un pouvoir n'a pas réellement le pouvoir. Alors, tous ceux qui ont prôné le changement, le changement, c'est maintenant et on voit ce que ça donne. Alors, quand vous dites on n'a pas le pouvoir économique, pourtant il y a la compétence économique et le pouvoir économique sont deux choses différentes. C'est deux choses tout à fait différentes. On le ressent bien au niveau national et à la différence aussi au niveau local. Et on ne peut effectivement pas reprocher à Pierre Georget, le président de la communauté de communes, de s'être battu justement pour qu'on ait comme en face des bâtiments, comme idées logistiques qui se mettent en place. Mais je pense que il y a une très grande différence qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est-à-dire qu'il y a les très très grosses entreprises du CAC 40 qui, elles, sont capables de s'organiser pour ne pas, par exemple, payer l'impôt ou autre, et puis après, il y a toutes les autres petites entreprises qui sont à la limite, comme nous, comme les citoyens, quoi, tout à fait. Et je pense aussi que s'il y avait vraiment une réelle gauche, c'est à ça qu'elle devrait réfléchir. Elle devrait réfléchir à comment on impose différemment les petites entreprises des très 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 grosses. Autrement dit, vous êtes en train de dire que M. Montebourg fait pas suffisamment son travail ou qu'il ne peut pas le faire ou qu'on lui laisse pas faire? Moi, je m'arrête pas à Montebourg, je m'arrête à la situation générale. S'il n'y avait que des hommes pour régler les problèmes, je pense que c'est un vrai projet de société. Le projet, il faut qu'on change de société, de type aussi. Moi, je veux bien, par exemple, on fait du tout nucléaire. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps, extrêmement temps, d'avoir d'autres projets de... où on puisse vraiment créer de l'emploi. Parce que bon, à mon avis, dans le domaine, par exemple, de l'énergie, on devrait être capable d'aller chercher la géothermie profonde, capable d'utiliser
notre front de mer. Aujourd'hui, je pense que les projets éoliens, c'est bien, mais il faut aussi les éoliennes marines. Il faut qu'on ait une grande réflexion. Et à mon avis, là, ça pourrait être porteur d'emploi. Aujourd'hui, vous avez une confiance tout à fait limitée dans la direction de Storenzo, pas du tout confiance ou... Oh, mais pas du tout confiance, mais pas du tout, parce que ce sont des habiles. Je me souviens comment monsieur, c'était Felder, c'est ça Felder avait eu l'intelligence de dire la première fois « Ah, je ne suis pas au courant » pour se faire applaudir des ouvriers et puis pour mieux licencier après. Heureusement qu'il y a des gens qui se sont battus avec maître Rivol qui approuvait via les actionnaires que tout était bien organisé et qu'en réalité, on pouvait encore produire du papier à Corbeil. Alors quand le groupe... et je pense d'ailleurs qu'on est dans le même cas de figure, tout à fait dans le même cas de figure. C'est-à-dire que quand le groupe dit qu'il y a surcapacité de production en Europe et on n'arrive pas à vendre le papier, vous n'y croyez pas? Mais je ne dis pas ça, je dis qu'en réalité, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de produire des voitures en France? Oui, on est capable de produire des voitures en France, on a Renault juste à côté et on a fait notre preuve d'être capable. Alors je ne dis pas que le marché européen, aujourd'hui par exemple dans le domaine de l'automobile, est très porteur, ça certainement pas, mais après il faut regarder les choses en face. Quand je dis il faut regarder les choses en face, Béguin, on a la machine 4 et la machine 3 sont partis. Aujourd'hui, c'est pas pour autant que le marché, je vais pas dire que le marché est pas porteur. C'est une grosse interrogation quand même. Mais je pense que tout ça, c'est de l'actionnariat qui fait l'appui et le beau temps sur l'ensemble de la planète. Sur l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, sur un autre sujet, si on va vers la guerre au Mali, je veux bien, il n'y a pas que le problème du terrorisme. On y va aussi pour de gros intérêts, de très gros intérêts. Là, on est dans la même. Il y a de l'uranium juste à côté. Il y a de l'uranium, il y a de l'or. Et puis, on va aller regarder, parce que ça m'a permis un peu de faire un petit peu de géographie. J'ai regardé fleuve Niger. Il faudra qu'on aille regarder un petit peu les mangroves du delta du Niger, dans quel état l'exploitation pétrolière l'a laissé. Et puis après, on s'étonne que les Africains se rebellent. Je pense qu'ils, quelque part, ils n'ont pas raison de prendre des gens en otage, mais ils ont raison de montrer leur mécontentement. Arnold Normand, maire de Reux, élu communautaire lors de cette manifestation des salariés à l'appel de l'intersyndicale de la papeterie Storenzo à Corbeil. Et sur la route nationale, eh bien, les élus présents ont pu délivrer leur message et adresser leur discours aux nombreux salariés qui ont répondu à cet appel de l'intersyndicale. Tout de suite, je vous propose d'écouter Martial Stienne et avant tout, Pierre Georget, président de la communauté de communes aux artistes. Malgré une météo peu clémente, nous sommes tous mobilisés, bien sûr, pour faire face une fois de plus à l'événement qui nous est imposé par la direction de Storenzo. Donc, merci d'abord et je veux dire ici, au nom des élus des artistes, mais bien au-delà, être rassurés, nous sommes rassurés de voir l'unité syndicale. Parce que l'unité syndicale, à travers l'interlocuteur privilégié qui est l'intersyndicale, ça va être notre force pour ce combat qui nous attend une fois de plus sur un territoire qui a déjà subi pas mal de catastrophes économiques. Donc, nous sommes, vous l'avez vu à vos côtés, je veux remercier bien sûr les élus ici présents, remercier les élus des artistes, bien entendu, mais même au-delà de Marquion, remercier également la présence des conseillers généraux, à la fois d'Arleux, Charles Beauchamp et Martial Estienne, du conseiller général du canton du Trois-d'Artois, mon collègue chargé de développement économique, Dominique Berthoud, maire de Corbeil, mais aussi les représentants à la fois de la sénatrice, Madame Catherine Génisseau, et du député Jean-Jacques Cottel, à qui nous avons demandé, pour les questions orales, au gouvernement de mercredi prochain, de s'inscrire pour lui poser une question et poser la question à Arnaud Montebourg. Nous, en ce qui nous concerne, on attend à vos côtés aujourd'hui. Je veux le dire ici, nous ne sommes jamais restés dans la fatalité. C'est très difficile, nous avons affaire à des gens, je le dis comme je le pense, peu respectueux. Nous avons vécu ici, depuis 2004-2012, la fermeture de Solac, machine 3 et 4 de Storenzo. Nous avons eu la diminution de 80% d'activité de Dinéa. Nous avons eu la fermeture de Prémine et Speedwich. C'est 1200 emplois perdus de 2004 à 2012. Entre-temps, nous avons retrouvé 630 emplois sur ce territoire avec les nouvelles entreprises. Mais on ne va pas se satisfaire uniquement de l'implantation des nouvelles entreprises. Il nous faut maintenir les entreprises existantes. Parce qu'il faut le dire aussi que la richesse des entreprises, c'est vous qui la faites. Et au nom de cette richesse, les actionnaires peu vertueux, sans vergogne même, licencient
ferme les entreprises. Nous les dénonçons tous des partis politiques. Ça suffit, le pouvoir de l'argent qui domine l'aspect humain. Alors oui, aujourd'hui, eh bien finalement, il va falloir aller encore au-delà. Je pense que la grande confiance que nous partageons avec l'intersyndicale, je veux dire aussi que nous travaillons ces derniers mois. Ce lundi, nous avons envoyé un mail à la direction pour connaître un peu, je dirais, les éléments de ce qu'on est en train de nous cacher. Il y a un silence qui s'opère, qui est inquiétant pour vous, pour les familles, parce que la casse de l'entreprise, c'est aussi des conséquences familiales, sociales et financières. Donc aujourd'hui, chers salariés, chers amis, avec les élus et en confiance l'un et l'autre, eh bien je dirais que vous le savez tous, et nous le savons tous ici avec les élus, le seul combat qu'on regrette le plus d'avoir perdu est celui qu'on n'a pas livré. Alors ensemble, on continuera l'action. Merci, Monsieur le Président. Chers amis, il faut que ça change. Ça ne peut plus durer. Ça a trop duré comme ça depuis de nombreuses années. On nous a dit, maintenant c'est le changement. Eh bien oui, le changement, il le faut immédiatement. On ne peut plus attendre. Ça fait des années. Déjà avec Charles Beauchamp, il y a 7 ans, on avait des inquiétudes sur la machine 5. Quand Stora a décidé de fermer la 3 et la 4, on vous l'a dit. Seulement, on avait fixé un échéancier. On avait dit, oh, d'ici 5 ans. Eh bien, on ne s'est trompé que d'un an et demi. Alors, en fin de compte, Stora avait bien dans la tête déjà, en 2006, l'idée de fermer son site. Parce qu'aujourd'hui, il veut vendre une machine. Mais il va la vendre à qui, cette machine? Il avait dit qu'il donnait un délai de 6 mois. Pour trouver un repreneur. Ça fait déjà 5 mois, il n'y a toujours pas de repreneur. Alors, la banderole que les dames, elles tiennent là-bas, elle montre bien le gâchis qui a été fait ici depuis de nombreuses années, car un homme, Béguin, avec le concours de ses salariés et de ses cadres, a pu construire un empire ici à Corbeil et à Brebières. Eh bien, un groupe de capitalistes, Stora Enso, est en train de tout casser. De tuer, oui, comme vous le dites, mesdames, ainsi que l'avenir de vos enfants. On ne peut pas continuer comme ça. Poser des questions au ministre, c'est une chose. Oui, il faut la poser, la question. Mais seulement, à mon avis, il faut aller le voir. Il faut y aller. La lutte, elle commence par ça aussi. Ils sont élus, ils ont promis des choses, et bien maintenant, il faut qu'ils les appliquent. On ne peut pas continuer à maintenir des licenciements, des fermetures d'entreprises, des délocalisations, comme c'est depuis de nombreuses années. Alors maintenant, il faut imposer notre loi, la loi des ouvriers, la loi du peuple. C'est fini, la loi du capitalisme. On nous l'a prédit il y a plus d'un an. Eh bien aujourd'hui, montrons l'exemple. Montrons que Corbeil-Essonnes, il y a des gens qui savent lutter, comme leurs anciens ont pu le faire, pour que Corbeil-Essonnes devienne ce qu'il a été par le passé. On ne peut pas laisser fermer cette entreprise. On ne peut pas la laisser vendre. Elle est boulonnée sur notre territoire. Il faudra qu'elle reste boulonnée sur notre territoire. Et il faudra que les 350 salariés continuent à y travailler. Martial Sienne, conseiller général du canton de Vitry-en-Artois. Réaction de Jean-Marc. Jean-Marc est coucheur sur la machine 5 depuis 1987, il était ce matin parmi les manifestants. Le sentiment, on dirait que c'est la suite de 2006, parce que là, Stora, au début, ils avaient dit qu'ils voulaient une faisabilité de vente, et après, il a dit, après la faisabilité, que restait Stora, ils ont changé d'avis, ils ont dit qu'ils n'ont jamais dit ça, et là, 5 février, notre directeur de Finlande, il vient de dire qu'ils allaient accélérer la restructuration. Maintenant, on se demande quoi. Toujours pas de réponse sur la faisabilité de vente. Là, il y a notre directeur qui vient de dire qu'il y aurait certains repreneurs, mais sans plus, on sait rien du tout. Là. Quand vous voyez cette affiche, là, Béguin fait vivre nos parents, Sorenzo va nous tuer, ainsi que nos enfants. Vous en pensez quoi? J'aimerais bien que ce soit faux, mais plus ça vient, plus le monde pas petit, je crois que c'est... Je sais pas, c'est... Je sais pas quoi dire. Je pense que Stora va nous tuer.
Quelle est la véritable intention du groupe Stora Enso quant à l'avenir de la machine 5 à Corbeil? La question est dans tous les esprits. Et je vous propose d'écouter à présent Marcel. C'est un ancien de l'usine Stora Enso. Il travaille toujours sur la machine 5. On n'a pas eu tous la même réaction suite à l'annonce. Il y a des gens qui se mettent en place maintenant qui commencent à comprendre. Mais la question n'est plus, il y a repreneur ou il n'y en a pas. Je me répète, la question est 350 ou 200 morts. Voilà. Marcel, ça fait combien de temps que vous travaillez à l'usine? 31 ans d'ancienneté. Ouais. Vous en avez vu défiler des patrons à la tête de cette usine? Ah ben, ça défilait, mais ça se passait... On revenait de repos, c'était, on avait changé de patron, c'était marqué sur le mur de l'usine. On savait même pas, il n'y a rien qui bougeait. C'est pour ça, là, cette histoire de repreneur, ça cache quelque chose, c'est pas une fusion, c'est pas l'habitude qu'on a connue depuis toutes ces années, quoi. Si. Il n'y a plus de confiance? Non, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance du tout envers Stora Enso, envers le groupe. Le Stora Enso nous a démontré il y a 7 ans de quoi il était capable. Tout le monde l'a constaté. Donc je ne vois pas pourquoi ils auraient fait des progrès depuis 7 ans. C'est des gens, ils voient que le fric, il n'y a que ça qui compte. Donc une fois de plus, ils tapent sans s'en rendre compte. Et il y a une question qu'il faut bien tout le monde se poser. Pourquoi le groupe n'a pas fait cette étude dans l'anonymat? Pourquoi qu'il nous a prévenu le 23 octobre en disant qu'ils envisageaient de vendre le site? C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Moi, je pense plutôt qu'ils nous ont préparé à notre futur licenciement. Il y a 7 ans de ça, on disait la 3, la 4, finalement, c'est que le début. La 5, c'est pour 5-6 ans. Vous étiez de cela? Oui. J'avais même été, je l'ai dit à la première assemblée le 23 octobre, j'avais même été prévenu par le secrétaire du CE à l'époque, qui avait dit c'est une fermeture en deux étapes, et c'est prévu pour 2012. Bon, 2012-2013, on y est. Hein. Aujourd'hui, il y a des bruits qui courent, comme quoi il y aurait une annonce imminente de la part de la direction, comme quoi éventuellement il y aurait un repreneur, vous n'y croyez plus. Ces bruits de couloir, quel crayon peut leur apporter? Moi, je l'espère. Mais j'y crois pas du tout. Et ce qui est encore bizarre, c'est que ces bruits de couloir ont sorti hier, juste 2 jours avant notre première manif intersyndicale. C'est bizarre aussi. Hein. En plus de ça, c'est pas une annonce du groupe, c'est notre PDG qui devait annoncer ça hier en CE. Il l'a pas fait parce que le CE a annulé suite au mauvais temps, mais il avait quand même annoncé ça 48 heures avant. En réunion cadre. Donc, est-ce pour casser le mouvement? De toute manière, repreneur ou pas, il y a casse sociale, c'est obligatoire. Il y a pas repreneur qui prendra 350 personnes. Moi, je n'y crois pas. J'espère qu'il y a un avenir à Corbeil, mais il y a des figures ici que vous verrez plus dans quelques mois. Vous le voyez comment l'avenir, vous? Moi, j'attends, ils vont nous annoncer un repreneur d'ici quelques semaines. Et ils vont nous refaire traîner jusque fin juin. Après, on va chômer parce que le carnet de commande n'est pas au bout fixe. Après, on va chômer, ça va être les congés, on va être dispersé, puis l'annonce va tomber. C'est comme ça que je vois l'avenir. Les revendications qui vont être amenées à être défendues éventuellement, ce seront les mêmes que celles qui ont animé le conflit il y a 7 ans de ça, c'est-à-dire les mêmes conditions de départ, ne pas être mis à la porte sans rien, telle que la direction l'imaginait à l'époque? Ça ne sera pas les mêmes conditions de départ. Moi, je pense que il y a 7 ans, les gens qui ont été licenciés, il n'y avait pas grand-chose dehors. Il n'y avait pas grand-chose dehors comme travail. Maintenant, il n'y a plus rien. On est en pleine crise. Là, si on est viré, là, on est jeté à la rue. Donc, on doit taper plus haut qu'il y a 7 ans. Parce que là on est cuit, quoi, on est mort. On est foutu. Vous aviez demandé à ce que les salariés, des représentants des salariés, autres que les représentants syndicaux, puissent participer aux travaux menés par le cabinet qui est en charge de faire l'étude pour trouver éventuellement un repreneur. Vous avez été entendu, ça a pu se faire ou pas du tout? Ça s'est pas fait. Il y a eu incompréhension de l'intersyndicale. Après, au niveau direction, notre PDG avait accepté, mais il fallait signer des clauses de confidentialité, tout ça. Alors bon,
Notre rôle, c'était de donner la parole exacte aux ouvriers. À partir du moment qu'il y a des clauses de confidentialité, on a préféré laisser tomber. Il va y avoir besoin de grandes gueules, entre guillemets, dans ce conflit, tel qu'on a eu à l'époque. On aura pu les grandes gueules de 2006, ils sont plus là. Mais maintenant, en 2006, c'était pas pareil, il restait une machine. Donc les gens disaient qui est licencié, moi ou lui. Tandis que là, les gens doivent réaliser que c'est 350 morts. Même le repreneur ne va pas les sauver. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit il y a une semaine, le repreneur, ce sera au petit bonheur la chance, ou au petit malheur la malchance, parce que c'est bien beau d'aller vers un repreneur, mais il nous faut des garanties. La garantie, c'est malheureux de parler comme ça, mais la garantie, c'est le pognon. Alors, ce qu'on demande, c'est un PSE pour tout le monde d'abord, et le travail après. C'est parce que le repreneur, c'est bien beau d'aller là, dans deux ans, il ferme, et puis vous vous retrouvez dans une situation encore plus mauvaise qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des essais qui ont été faits sur la machine pour tenter de fabriquer d'autres types de papier qui pourraient peut-être répondre à un marché complémentaire? Non, aucun. Non. Depuis 5 mois, on est dans le néant. On n'a aucune information. On travaille à coup de bruit de couloir. On attend. On espère avoir des nouvelles et on en a pas. C'est lamentable de travailler dans des conditions comme ça. Et je reviens sur la question, pourquoi n'a-t-on pas fait cette étude, qui pour moi est déjà faite depuis longtemps, dans l'anonymat? On nous prépare à quelque chose. On nous prépare. C'est psychologique. C'est une préparation psychologique. Voilà. Vous avez quel âge? 52 ans. 31 ans de boîte. 31 ans de poste. J'ai fait la machine 4 pendant 8 ans et la machine 5 pendant 22 ans. Et voilà. Vous avez encore des contacts avec ceux qui, il y a 16 ans, sont partis? Ouais, j'ai vu Patrick Sibyl là tout à l'heure. Et on est content de se voir, ouais, j'ai des contacts, ouais. Bon, il y a des gens, j'ai perdu contact avec certaines personnes qui, ils ont fait un peu la gueule, quoi, qu'on travaillait encore et qu'ils étaient plus là. Mais moi, il y a 7 ans, j'ai défendu mon beefsteak, comme aujourd'hui. Donc, je me sens pas seul vis-à-vis de ces gens-là, quoi. Et je compte encore vendre chèrement mon beefsteak. Je suis pas dans le cas de me laisser faire, et je tiens pas à crever la faim dans 4 ans. Vous avez plus confiance aujourd'hui dans le pouvoir en place que dans celui qui était là il y a 7 ans de ça, où les discours, les promesses des politiques, vous y croyez, vous y croyez plus? C'est toujours un peu les mêmes discours qui ressortent. Maintenant, c'est pas eux qui vont décider de notre avenir. C'est le groupe. Mais le groupe, aucune confiance envers eux. Malheur, aucune. On peut plus, ils ont fait voir de ce qu'ils étaient capables. Marcel, plus de 30 ans d'usine à Stora Enso Corbem, et c'est avec ce témoignage que nous terminons ce reportage réalisé ce mercredi 13 mars devant l'usine. Nous vous tiendrons informés évidemment de l'évolution de la situation du côté de l'usine papetière Stora Enso à Corbem très prochainement sur Radio Scarpe Sensée. La puce à l'oreille, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à bientôt.